Et salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur le jeu Evolution Merge, un tout nouveau runner dans lequel nous allons devoir nous fusionner avec nos compères afin de changer complètement en une nouvelle espèce. On commence là par exemple avec un petit blob comme ça, qui n'a pas l'air très fort, qui va au fur et à mesure évoluer en animal, en humain, mais aussi en monstre. Je sais pas exactement quelle espèce on va avoir, mais on va découvrir ça ensemble. Mais juste avant, je vous demande à tous de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, et nous, c'est parti pour le niveau 1. Alors du coup, on va se conjuguer, enfin se fusionner plutôt avec cette personne et on est devenu... Oh, c'est quoi ça? C'est un petit poisson. Oui, on va pouvoir en reprendre un deuxième et on passe directement en dinosaure. Donc du coup, on peut ne pas tomber dans les trous qu'il y a, les petits pièges, etc. Oh, comment ça se passe là maintenant? Est-ce qu'on va se fusionner? What? Je me suis fait défoncer par le poisson, il m'a posé dans le trou. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'y crois pas. Ok, bon bah si je suis si faible que ça en mammouth, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à gauche contre le blob là-bas, le petit slime. Lui, normalement, il va pas me pousser, hein, normalement. Voilà. On l'a défoncé, on peut maintenant fusionner, on passe au niveau 5, au niveau singe, au niveau 5, qui est un petit singe comme ça, et qui va devoir se battre contre la nature, contre qui en fait? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? What? Il est en train de péter tout le décor. Oh, ok, on pète le volcan, on pète le mur, pourquoi pas? Là, attention, oui, est-ce qu'il y a autre chose après? Non, c'est bon, on s'arrête là pour le niveau 1, c'est déjà très bien. Oh, génial, en plus, on commence avec le niveau 2 déjà au singe. Mais alors, si on meurt, ça fait quoi? Je vais regarder quand même, je vais tenter, voir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on revient au tout début? Comment ça se passe? Non, on est toujours en singe, ok, très bien. Et je vois qu'au fond là-bas il y a un homme de caverne. Mais avant ça il y a des petits pics là, des petits pièges qu'il va falloir éviter. Donc allez, normalement on va pouvoir passer directement du singe à l'homme des cavernes. Oui, je le savais, ça m'a spoilé. Si on se prend les pièges on perd. Oh non, on perd des niveaux. Oh, oh, il m'a défoncé. Mais j'y crois pas. Genre un homme des cavernes tout seul, il arrive à défoncer un mammouth. Ça va pas le faire, je vais prendre ma revanche. Ou alors je vais lui envoyer, attendez, je vais rétrograder d'un niveau et je vais lui envoyer le singe. Et là qu'est-ce que tu vas faire mon gars? Ah, c'est pire. Bon ok, c'est bon, j'arrête de troll. On va se fusionner avec toi, homme des cavernes. On va faire, qu'est-ce que ça va? Oh, on va avoir un gladiateur directement après. Bon c'est parfait, le petit gladiateur. Oh regarde, le gladiateur contre l'homme des cavernes. Ça donne, ah ok. Je m'en doutais un peu. Bon, très bien, on arrête de troll. Surtout qu'après, il y a un homme des cavernes. On va faire un combat contre lui, je suppose, parce que il a l'air d'être au milieu, comme ça, au milieu du mur. On va le défoncer. Allez, c'est parti! Le gladiateur qui donne! Oh, un viking! C'est parti! Pouh! Un coup de hache, ça l'a complètement défoncé. Bon, là, c'est pareil, on va le défoncer. Le petit gladiateur! Les vikings, c'est les meilleurs. Boum! Et ouais, y'a plus. Je te marche dessus, mec. Allez, donc c'est parti, on va pouvoir attaquer le décor maintenant. Un décor qui a complètement changé pour ce niveau 2. C'est parti, boum. Attention, le portail, ça va pas me résister. Moi, j'en ai attaqué des centaines dans ma vie et on a l'or. Parfait. Waouh, on se met trop bien. Bon, maintenant, il y a deux quarts de vikings qui nous attendent, là. Mais attendez, mais les gladiateurs, ils défoncent pas les vikings, donc ça va pas le faire. Il faut que je passe au milieu, mais moi, j'ai envie de tenter le coup, quand même. Je te défonce. Ah, non. Ah, mais j'avais pas vu, mais il y a de nouveaux pièges après. Des pièges de fou. Bon, les amis, juste avant qu'on continue ce runner de folie, je vous demande à tous ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner à ma chaîne. C'est super important pour qu'on atteigne, peut-être, pourquoi pas, les 1 million un jour. Allez, c'est parti, on passe au milieu, on évite, évidemment, les pics et on va se fusionner. Attention, nouvelle évolution. Ah non, le viking, on l'avait déjà... Oula, attention. Le viking, on l'avait déjà eu. Oh, mince, il y a un chevalier sur le côté. Et c'est bon, on est passé. Alors lui, par contre, on va pas pouvoir le taper, le cow-boy, mais par contre, on va pouvoir taper ces deux-là. Oh, j'ai essayé de taper les deux, mais j'ai pas réussi. La charrette, elle est défoncée maintenant. On va pouvoir passer, on va fusionner le niveau 10 maintenant qu'on découvre ensemble. Et il s'agit du mousquetaire, du cow-boy. Non, c'est plus un mousquetaire. Allez, c'est parti, on défonce ça. Le château fort, l'entrée, on la défonce. Boum. Et le portail du temple, il est terminé. Youhou, je suis blindé maintenant. Ouais. Ouais, mais bon, je suis tout seul. J'ai tué tout le monde sur la route. Oh oh, les amis, on est retourné au niveau 3. On est un dinosaure, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir passer dessus normalement. Oui, c'est bon, c'est ça. De toute façon, ils se sont baissés. Allez, le blob, on le défonce. Oh, merci, tu as défoncé le décor pour moi. Toi, tu vas aller défoncer les rouleaux là-bas. Eh, non, tombe pas, je t'ai demandé de défoncer les rouleaux. Ok, lui, il va défoncer les rouleaux. Défonce les rouleaux, mon pote. Ah non, il est passé au travers. Oh, faut que je le repousse, faut que je le repousse. Oh non, je l'ai raté. Bon, c'est pas grave, je vais passer au-dessus, je vais passer au-dessus. Oh, ouais, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Pourquoi ils sont tous là, eux? Allez, défoncez le décor, c'est parti. Oh, on n'a eu aucune évolution sur ce niveau-là. Bon, c'est pas grave. Avec le dinosaure, on va pouvoir détruire le décor pour la première fois. Les volcans, ça part de là. Et les rochers également. Et où la monnaie? Pourquoi les dinosaures, ils ont pas de thunes? Oh, ils ont juste un oasis, c'est pas mal. Niveau 5 maintenant, et on commence en homme des cavernes. On va pouvoir immédiatement passer en viking. Ah non, c'était les gladiateurs d'abord.
Non, comment on va faire les amis? Ok, j'essaie de les éviter de casser le mur tout seul, mais je sais pas. Oui, ça l'a fait, mais par contre, je peux plus évoluer là, malheureusement. Oh non, 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 non. Ok, remettez-moi en mammouth, remettez-moi en mammouth. Non, c'est pas le mammouth ça. Aïe! Bon allez, surtout ne pas fail, je veux voir les meilleures évolutions dans cette vidéo. Donc on passe à droite, me touche pas, c'est bon, c'est parfait. Les rouleaux, on va éviter, et là, on va tous les défoncer. Boum! Ouvre-moi le passage, toi. Toi, viens avec moi. On combine, et on est niveau 9, les amis. Donc pour l'instant, notre record, c'est niveau 10. On va tenter d'aller du coup beaucoup plus loin si possible. Toi, bouge de là. Et non, on pourra pas aller plus haut que niveau 10 pour ce niveau-là. Tant pis. Alors si je clique dans le rouge, ça fait quoi? Je pense juste qu'il se ramasse contre la porte, non? Attention. Oh! Oh, il est quand même passé. Ah d'accord, mais il s'arrête là du coup. Ok, là c'est bon signe. On commence avec le bonhomme niveau 10. Donc, autant vous dire que des nouvelles évolutions, on va en avoir. Notamment l'évolution numéro 11 qui arrive. Attention, qu'est-ce que c'est? Oh, magnifique ce petit gars. Yep là, hop là. Et on recombine. Et attention, qu'est-ce qu'on a? On a un mafieux, un hooligan. Ok, on va le combiner avec un autre hooligan, parfait. Et on a maintenant un homme d'affaires, un businessman. Oh, il a défoncé un type qui avait une batte grâce à sa valise. Il est trop fort. Boom. Et grand coup de mallette. Ok, un nouveau portail maintenant. Il faut le défoncer, c'est le portail de la Maison Blanche. Et c'est bon, on est riche, les amis. Bon, du coup, record atteint et on a complètement changé de biome. On commence déjà au niveau 12, ce qui annonce des nouvelles évolutions, je pense. Allez, c'est parti. On passe en homme d'affaires. Waouh. Alors maintenant, il y a un homme d'affaires là-bas et à gauche, c'est quoi? Oh, c'est la prochaine évolution, c'est quoi? Oh, d'accord, c'est une racaille. On est une racaille en skateboard, on est un skater, les amis. On va défoncer le type, hop, dans la poubelle, toi. Waouh, je t'ai pas demandé de la casser, je voulais que t'ailles dedans. Oh, il y avait un truc moins 3 à droite, et là, on est quoi? Ok, on est un cyberpunk, là. On va pouvoir défoncer des portails. Boum, le portail blanc, on le défonce aussi. Oh, un portail blindé de cyberpunk. On le défonce également, et on arrive à la fin. Waouh. C'est un truc de viking à la fin. Ah ouais, carrément, pour ce niveau 8, on commence au niveau 15 et on se tape pas les spirales parce que on est au-dessus. Et oui, on l'évite, les amis. Oh, un jour, on aura ça, les amis, au pied. Ça sera un truc de fou, franchement, on sera bien. Alors, comment ça se passe par la suite? Je pense que je peux détruire ces caisses, normalement, oui. Oh, tous les hommes des cavernes, je vous déteste tous. J'ai de là. Je suis le plus puissant de la planète. En même temps, je suis né en 2300, et vous, les hommes des cavernes, vous êtes nés en quelle année? Quelle année avant Jésus-Christ? Ok, niveau 9 cette fois-ci, sauf que là, on a tout à refaire. On doit passer du blob au mec cyberpunk. Je sais pas si on va pouvoir le faire en un seul niveau, ça serait ouf. Oula, je peux pas me battre, Je peux casser ça? Oui, je peux casser ça. Hop, on évolue. Oh non, je peux toujours pas me battre, dommage. Oh, par contre, il y a un portail plus 2 juste après. Ok, ça va nous mettre bien ça. Attention, les rouleaux, attention, non, 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 je veux pas me les faire laver. Voilà, parfait, niveau 5, on est le petit singe. Et oh non, je crois qu'on aura rien d'autre. Ah si, 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 on a moyen de se fusionner. Non, pas ça. Oh, ça fait tellement mal. Bon, bah tant pis, hein. On va même pas pouvoir défoncer le singe avec un dinosaure. Alors là, on est en singe, par contre, il y a des hommes de caverne juste devant. Donc du coup, hop, on se met en gladiateur, on les défonce. On peut passer entre les deux portails ou pas? On peut... Non. On va passer sur le côté du coup, il y a un portail plus 4 derrière. On va passer directement au niveau 10. Bah, hé, attention. Ok, baissez-vous. Waouh, j'ai préféré sauter. Bon bah tant pis, on va se les prendre à... Oh, moins un niveau. Mais c'est pas grave puisque derrière on fait un plus 2 et il y a un autre plus 4. On va réussir en une seule run de remonter tout en haut. Bon, en même temps on n'est pas parti du blob, hein. Oui c'est ça, plus 4, est-ce qu'on est en cyberpunk? Oh, trop stylé, le mec futuriste. Bon bah écoutez, les abos, je crois qu'on a vu toutes les évolutions. Il n'y a pas d'autre évolution après le cyberpunk. Vivement une prochaine mise à jour pour en avoir plein d'autres. Du coup on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu et nous on se retrouve à très vite. Je mets bien évidemment des vidéos tous les jours sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Salut à tous, c'était Red Kill, bye tout le monde.